L'atmosphère dans le stade est incroyable. Ils sont à 90 minutes d'une place en finale. Les joueurs vont-ils supporter une telle pression? Ils ont gagné à domicile ce match de Ligue des Champions. Désormais, il faut tenir au retour. Pas de changement tactique au niveau de la formation. C'est un 4-5-1 très solide avec une seule pointe d'homme. Il va tenter sa chance. Superbe défense ici. Encore une belle occasion. Il a osé. Pas de problème pour le gardien. Salih Amidzic. Nedved. But! Ouverture du score! Ouverture du score dans les premières minutes! On est parti sur de très bonnes bases! C'est vraiment pour voir ce genre d'action et de but que l'on se déplace dans les stades. Là, tu ne demandes pas qu'on te rembourse le billet à la fin. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Ah, voilà un but qui arrive bien, et ça pourrait bien ouvrir le jeu. Ça va sûrement stimuler l'adversaire à tenter d'en rattraper un avant la pause. Encore une occasion de centrer. Bien défendu, le ballon est récupéré. Bon travail et bonne possession du ballon. Nouvelle occasion de centrer. Le danger est écarté. On est vraiment trop loin du poteau droit. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est le genre de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Nedved. Ce débordement peut être intéressant. Duel remporté par le défenseur. La balle change de propriétaire. Salih Amidzic. Au niveau de la circulation du ballon, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il faut être super réaliste. Encore une belle occasion. Dans la surface de réparation. Aucune difficulté pour le goal. Un long ballon vers l'avant. Amaouli. Pour Nedved. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Il lui a piqué le ballon. Encore une occasion de centrer.
dans la surface de réparation. Bien joué. Bien joué de la part de la défense. Pour Yakinta. La passe a été interceptée. Pour Melberg. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. La faute est manifestement délibérée. Ils peuvent construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le tir est décoché. Le gardien a remis de l'ordre. Une très grande ouverture à Maoli. Pressing super efficace. Yakinta. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. D'abord, allez-y. Il y a de la place. Ça ne fonctionne pas. Ils conservent le ballon, ils sont maîtres du jeu. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Et Camoranesi. Amaouri. Yakinta. Le goal la bloque. Pour Sedial Mizik. Et Yakinta. Pour Sedial Mizik. Bien joué. Action dangereuse, il peut marquer. Bien joué ici. Pour Nedved. Gros tacle, mais pas de coup de sifflet. Bien joué, il conserve le ballon. L'attaque ne donnera rien. Encore une belle occasion. En jeu, il faut surveiller le placement. Yakinta, Amaouri. Il a vraiment une super couverture de balle. C'est bien de partir en contre. Ils peuvent construire quelque chose. Peut-il marquer? Nouvelle occasion de centrer. Le ballon est à peine hors de la surface. Amaouri. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Le ballon a franchi la ligne. Yakinta. Encore une belle occasion. Une remise en jeu. Nedved. Bien vu.
Encore une occasion de centrer. Que va-t-il faire maintenant? Il tire. Aucune difficulté pour les Gaules. Melberg. Il renvoie le ballon au portier. Yakinta. Amaury. Quel coup! La balle change de propriétaire. Bien joué ici. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Amaury. Ils ont toujours la possession du ballon. Super. C'est bien défendu. Le danger est repoussé. Bien joué. L'attaque ne donnera rien. Melberg. C'est un ballon gagné. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Ça peut passer ici. Ça passe au-dessus, bien trop au-dessus. Et quand je vois sa frappe aujourd'hui, je le connais bien, c'est mon pote. Et quand je sais que son pied gauche, il est certainement monté dans le bus. Minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Attention, il est passé. Attention, il frappe. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Camoranesi. Nedved. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Salut Amidzi. Nedved. Pour Sadio Midzi. Et Nedved. Et Sadio Midzi. Que c'est beau, c'est 1-2. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Attention en défense, ça va aller très vite. Il va pouvoir marquer. Facile pour la défense. Salut Amidzi. Encore une belle occasion. Il est rentré dans la surface. Coup franc accordé. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Ça peut être extrêmement dangereux. Nouvelle occasion de centrer. Va-t-il trouver le bon timing?
Il prend sa chance. Le gardien l'a détourné en corner. Il tire au premier poteau. Il peut surprendre et marquer. Un nouveau but inscrit juste avant la pause. Oh, qu'il fait mal aux adversaires celui-ci. C'est souvent que ça arrive, ça, quand un joueur rentre sur le terrain. Ça déstabilise l'organisation adverse et on oublie de le prendre en marquage. De 0, c'est vraiment une bonne avance. Voilà, ça c'est un changement intelligent et intéressant. Et comme on dit dans les écoles de foot, c'est important le rôle du remplaçant. Il doit être présent comme un titulaire quand il rentre. On est parti pour un drôle de compte. C'est presque gagné. Un troisième but marqué juste avant la mi-temps. Super bien joué. Et s'il marque à chaque fois qu'il rentre, il va sûrement rester toujours remplaçant. Il est vraiment en état de grâce. Joli doublé et le match n'est pas fini. Trois buts à rien, c'est du bon boulot. Voilà, là il a fait une grosse impression. Il se relève du banc, il va jouer de suite, il trouve le chemin de filet. Ah, ça va être difficile de ne pas le mettre dans le 11 de départ la prochaine fois. Ils ont bien ferré le danger. Oh, le gardien le lâche. Le danger n'est pas écarté. Bonne reprise du défenseur. Attention, énorme danger. Touche. C'est super dangereux, il peut marquer. Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joueur. Sur ce but, vous avez vu, Christian, il ne s'est pas posé de questions. Ça a été un véritable killer. Quel joueur. Il est vraiment en super forme. L'entraîneur peut vraiment compter sur un gars performant. Il y a deux buts d'écart maintenant. Le ballon est pour l'autre équipe. Ils peuvent construire quelque chose. Allez, il y est presque. Il va peut-être la prendre. Il a complètement gâché cette occasion. Oh, il n'a même pas la place pour passer une allumette. Amaouli. Très bonne maîtrise défensive. Salih Amitié. Il a mis le pied sur le ballon. Oui, il était bien hors jeu. Bien vu l'arbitre assistant. Il
Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Nouvelle occasion de centrer. Il va pouvoir marquer. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Ah, je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. Mais c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Ils reprennent le ballon. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel. Amaouli. Il doit tromper le gardien. Ils ont toujours la maîtrise du ballon. Coup de sifflet, l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. L'occasion pour les joueurs d'écouter les entraîneurs. Plus le match a avancé, plus c'est devenu facile. Je vais descendre à la mi-temps pour voir un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires. Attention aux premières minutes de la seconde période car ils sont connus pour être en forme à ce moment-là. Encore une occasion de centrer. Peut-il marquer ? Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop haut. Mon avis sur ce coup-là, il y a leur explication entre le gardien et le défenseur. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Melberg. Amaouli. C'est bien joué en profondeur sur le côté. Ils peuvent construire quelque chose. Melberg. C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. Ah, c'était bien fait. Il a tout enchaîné comme il fallait. Il a frappé. Il a simplement manqué le cadre. Amaouli. Et Del Piro. Amaouli. Il peut peut-être marquer. La frappe est décochée. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui termine au fond des filets. Quel plaisir! Et à chaque fois qu'il touche le ballon, tous les supporters sont debout. Et après ce but, ils sont pas prêts de se rasseoir. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Une flopée de buts, le score est de 4 à 1. Là, je crois qu'on peut dire que les carottes sont presque cuites. Ça leur donne une avance quand même assez insurmontable. Il me semble vraiment que cette équipe a de la dynamite et que ça va être insurmontable pour l'équipe adverse. Il lui a piqué la balle. Attention à l'occasion. Faut dire une balle de golf, c'est trop faible. Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. Bon retournement de situation, il a le ballon. Bien vu. Amaouli. Ils ont passé les lignes arrière.
dans la surface de réparation. C'est un ballon bien rendu. Ce contre peut amener très loin. Nouvelle occasion de centrer. Il va prendre sa chance. Il a complètement gâché cette occasion. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Et c'est pas mal joué quand même. Alors, faute ou pas faute? Eh ben non, dit l'arbitre. Yakinta. Il va pouvoir marquer. Bien joué, ça peut faire un contre. Attention, il peut marquer. Oui, il fait trembler les filets. Quel joueur en forme aujourd'hui. C'est un vrai régal pour les supporters. Quelle finition parfaite. Mais ce joueur met le ballon où il veut. Le gardien n'avait aucune chance et n'a plus que constater les dégâts. Franchement, ce n'est pas étonnant. Il est menaçant depuis quelques minutes. Ce doublé est vraiment mérité. ...4-2, l'avance est encore significative. Et chez les supporters, on sent déjà que c'est la fête. Hein. Il a déjà sorti les cotillons, les merguez, ils sont sûrs de la victoire. Hein. Là, il ne faut pas qu'ils rigolent trop d'avance. Hein, c'est ça. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Mais Christian, il paraît que toucher du doigt, ça porte bonheur. Là, avec ce but, il n'a pas fait mentir le proverbe. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Leur sera-t-il possible de remonter cela? Quelle équipe, quelle prestation, quelle attaque. Ah, ils ont tout donné, ils ont carrément fait exploser la défense adverse. On se demande qui c'est qui pourrait les arrêter. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Voilà, ah là, une occasion en or. Jouer sur les côtés, ça permet de centrer. Peut-il marquer? Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Encore une belle occasion. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Et Del Piero. Ne pas oublier le placement, il est hors jeu là encore. Récupération du ballon. Amaouli. Il n'a peur de rien. Va-t-il faire maintenant?
Il essaie de marquer. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. Au second, il me semble bien mené. Lego Taglier. Bien défendu, le ballon est récupéré. Partir en contre, c'est toujours payé. Bien joué le gardien. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Il l'envoie au milieu de la surface. Oui, la demi-volée. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir! Christian, on a vu beaucoup de choses intéressantes dans ce match. Mais ce but, cette fracassante volée, va aller à lui tout seul le déplacement. C'est vraiment un joueur important. Il marque son troisième but au cours de cette compétition. L'équipe peut le remercier. Melberg. C'était de la négligence. Encore une occasion de centrer. Frappe de loin. Le ballon franchit la ligne. Corner. Chandelle. Il essaie de la tête. Oh non! Les filets tremblent à nouveau. Ce n'est pas bon du tout. La défense n'y est plus. C'est une semi-catastrophe. Voyez comment il s'est libéré facilement de son marquage pour mettre une pastèque hors de portée du gardien. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Melberg. Bon ballon. Il frappe de toutes ses forces. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, c'est mal défendu. Il faut monter plus tôt sur le porteur du ballon. Sinon, tu laisses l'espace et le joueur il peut frapper. Melberg. Jacinta. Bien donné. Il faut bien reconnaître qu'il s'accroche encore. Le ballon circule bien, mais il faut concrétiser ses mouvements. Belpio. Quel dommage. Même les meilleurs attaquants peuvent rater parfois. C'est un ballon gagné. Belle passe. Il peut frapper. La Quinta. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. Attention, le ballon a été perdu. Pour Célian Mitzi. Dans la... Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. Oh, le tir rase le montant droit. Il n'a pas de chance. S'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Ils peuvent construire quelque chose. Ça peut passer ici. Attention, ils peuvent marquer sur ce ballon perdu. Melberg. Quelle grosse frappe! Malheureusement, c'est juste à côté.
Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. Hors jeu, ça s'est joué à pas grand chose. Ça change dans la surface. S'il marque sur ce corner, il pourrait maintenir la pression. Frappe décochée en direction du but. Allez, ça doit aller au fond. Ah, tu crois vraiment que le plus dur, c'est toujours de battre le gardien? Mais là, c'est la transversale qui tremble encore. Pressing super efficace. Encore une belle occasion. Il doit la mettre au fond. Cette fois, il visait vraiment les oiseaux. Je crois que c'est pas de sa faute sur ce coup-là, c'est le gardien qui a fait la différence pour moi. Amaouli. La menace est écartée. Quel gaffe, il faut faire attention. Bien joué de la part des attaquants, c'est du bon boulot. Il y a presque une petite touche d'arrogance. Bien vu. Il est tout près des buts. Il a fait le geste qu'il fallait et le gardien était battu, mais pas le poteau. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Et Yakinta, Amaouli. Qui va reprendre le ballon? C'est trop long. Del Piro. Il n'a peur de rien. Ça rentre pas, pourtant c'était un beau tir. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Bien défendu, le ballon est récupéré. Cette équipe a vraiment perdu le nord, ils sont désemparés. Ils auront bien du mal à refaire leur retard. Yakinta.
Oh, ça va vite! Beaucoup trop loin du montant gauche. C'était un beau face à face. Dommage, il avait peut-être la possibilité de mettre entre les jambes du gardien. Ils reprennent le ballon. Amaouli. Attention, énorme danger. Coup de sifflet normal, il est hors jeu. Amaouli au-dessus de la défense. Allez, il y est presque. Cette attaque ne donnera rien. Attention. Oui, il a marqué. Et regardez la joie sur son visage. Qu'est-ce que c'est sympa. Je ne sais pas s'il a marqué du pied droit ou du pied gauche, mais en tout cas, c'est plutôt efficace. C'est son troisième but au cours du tournoi. L'équipe peut compter sur lui, il est en très grande forme. Dégagement. Lego Taglier. Il manque vraiment de coordination. C'est pas mal sur le plan défensif. Que marquer. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette action. Il a frappé, il a accéléré, il a marqué un but splendide. Et si celui-là ne rentre pas dans le top but de la PES League, je me fais curer. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Va-t-il marquer? Il tente. Oui, encore un. Encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué. Avec ce coup et cette belle percussion, il a laissé toute la défense sur place. Et comme dans la finition, c'est plutôt un joueur au pied affûté, il n'a laissé aucune chance au gardien. C'est vraiment un joueur important. Il marque son troisième but au cours de cette compétition. L'équipe peut le remercier. Melberg. Le compte à rebours continue. Vont-ils pouvoir garder le contrôle et assurer une place en finale ?
Bien joué. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Le goal a dégagé le ballon, corner. Joli ballon au premier poteau. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Salut à Mitzik. Zelina. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Il a osé. Pas de doute, il sent la pression maintenant. Ballon aérien, tête magnifique, belle tentative, dommage, mais elle n'est pas assez précise. Yakinta. Il y a trop d'effet dans ce ballon. Nerveusement de tenter une telle frappe, c'est comme ça qu'on marque le but dans notre monde. Ils ont toujours le ballon, c'est bien. Ils reprennent le ballon. Amoradési. Une seule minute d'arrêt de jeu. C'est un ballon gagné. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Il doit la mettre au fond. Il lâche une frappe. Oh, il tente le lob. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire? Encore une occasion de centrer. Bonne interception. On peut relancer. Fin du match. L'arbitre en a décidé ainsi. C'est terminé. Les voilà en finale. C'est mérité. Bravo. Désormais, il faut aller au bout. Parfois, pour gagner un match, il faut autre chose que les pieds ou la tête. Il faut se mettre chiffon. Le stade commence à se vider et nous...